Allez, bonjour à tous, c'est parti. Attendez, voilà, je mets ça, j'entends bien, j'espère que tout va bien, j'espère que votre vie n'est pas trop mal. C'est le 1er mai aujourd'hui, le premier jour du mois de mai. Alors, bonjour Morita qui est avec nous, Imane est là, bonjour aussi, Luciana est là, Desarlika est là, Stardust est avec nous, Self Education est avec nous aussi, Yossi est là, qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, je regarde, je vois Romand aussi, je vois J. Vincent, je vois Krishna qui est avec nous, Sharon est là aussi, ensuite, oh, il y a du monde, Juan est avec nous, oh, je vais oublier des gens, Hilary est là, Amina est là, Hans70 est là aussi, Renato est là aussi, Melissa Madrid est là, Moncho est avec nous, Cheryline est là aussi, Merage est avec nous, Yesero, bah écoutez, je crois que tout le monde est là, en tout cas, merci beaucoup. Si je ne vous ai pas dit bonjour, excusez-moi, c'est que je ne vous ai pas vu, et je vous dis en tout cas bonjour à tous, et puis bah, on va démarrer, si vous voulez bien, on y va. Essayons de voir si nous arrivons aujourd'hui à atteindre les 100 likes. En tout cas, je vais faire mon travail. Je vais vous le rappeler régulièrement. À vous la parole. À vous la parole. Allez, je vais profiter de ce week-end. Pour, s'il vous plaît, faites-moi une phrase pour me dire ce que vous voudriez faire eh bien, pendant ce week-end. Nous sommes samedi, mais demain est encore un jour libre. Allez-y. Alors, Merage qui nous rejoint, bonjour, bonjour, Stella aussi, on n'oublie pas de cliquer sur le like et Ice Cube, c'est pareil, hein, c'est pareil, on fait comme ça, encore une fois, boum. Et oui, on clique sur le like, merci beaucoup. Alors, Yolanda et Yulia nous rejoignent aussi. Et bien sûr, elles ont cliqué sur le bouton like, même si je ne le vois pas. Ah, mais c'est comme ça. Yulia qui nous dit, je vais profiter de ce week-end pour ne rien faire, eh oui, c'est probablement la meilleure des choses à faire, c'est-à-dire rien. Stella qui nous dit, je vais profiter de ce week-end pour fêter Pâques. Eh oui, avec du chocolat. Est-ce que vous mangez du chocolat? Qu'est-ce que vous mangez? Ça, c'est intéressant, Stella. Il faut nous le dire. Imane qui dit, rien de spécial, il ne fait pas beau. Bon, ben voilà.
Demain, on ne sait pas, peut-être qu'il fera beau, Iman, et vous ne savez pas. N70, je vais profiter de ce week-end pour me préparer pour la semaine prochaine. Mélissa, à Madrid, qui nous dit, je vais profiter de ce week-end pour trier les vêtements. Ceux de mes enfants, oui. Ah, moi, c'est pareil. Les vêtements de Nicolas, ça devient un mystère. Et peut-être qu'il faut acheter des nouveaux vêtements parce qu'il grandit. Eh oui. Dionaline qui nous rejoint. Bonjour Dionaline. Dionaline. On clique sur le bouton like. Merci beaucoup. J. Vincent qui nous dit « Je vais profiter de ce week-end pour lire des nouveaux livres que j'ai achetés et écrire des recettes. » Et oui, c'est vrai. Stardust qui nous dit « Je profiterai de ce week-end pour essayer de sortir de ce dans quoi je suis en ce moment et j'espère que ça fonctionnera. » Ben oui, oui. Des fois, c'est difficile. Hein. On nage dans une mer de tristesse, mais il faut essayer de trouver la terre. Yesero, je vais profiter de ce week-end pour essayer de terminer mon livre. Omar, je voudrais profiter de ce week-end pour faire du sport, mais le temps est très mauvais. C'est un petit peu gris ici aussi, c'est vrai. On n'a pas envie de faire du sport quand il fait gris. Peut-être à l'intérieur, Omar. Vous, Slat, je vais profiter de ce week-end pour faire des réparations chez moi. Eh bien là, je dis bravo. Luciana, je vais... Ah, j'ai de la pêche. Aujourd'hui, il y a une grande manifestation nationale de soutien à notre président. Luciana, avec le masque. Hein, manifestation avec le masque, parce que sinon, c'est dangereux. Renato, aujourd'hui je vais travailler à 17h, mais demain j'irai à la pêche. Youpi, youpi! Eh ben bravo Renato, bravo! Je vous donne un pouce pour vous Renato, et les autres bien sûr peuvent me donner un pouce en échange. Merci. Je regarde. Alors, attendez. Morita, c'est à nouveau un verrouillage en Inde pendant une semaine. Bon courage, Morita. Bon courage. C'est difficile. Mais nous sommes là, Morita. Pendant cette période-là, la semaine prochaine, nous serons là. Donc, vous pouvez nous retrouver. Agustine, je vais profiter de ce week-end pour regarder K-Drama. D'accord. Amina qui nous dit « Je vais profiter de ce week-end pour faire beaucoup d'exercices de grammaire en français. » Ça, c'est bien. Roman, mon problème est que chaque fois que j'ai un peu de temps libre, je dois encore travailler avec mes tâches ou mes livres pour ne pas me voir avec une tâche parce qu'ils veulent ne pas me laisser seul. Ah bah ouais, c'est difficile la vie. C'est comme ça. Bientôt, ce sera plus calme. Hilary, je vais profiter de ce week-end pour faire la lessive. Et moi aussi. Demain, je fais tourner la machine. Mohamed qui dit, je vais profiter de ce week-end pour résumer ce que j'ai appris cette semaine. Aller chez ma famille pour passer un peu de temps avec eux. Très bien, Mohamed. C'est important d'être avec la famille. Avec le masque, peut-être. Hein. Yossi, je vais rendre visite à ma petite fille pendant le week-end. Ça aussi, c'est important de voir les petits. Juan, aujourd'hui, c'est un jour férié dans mon pays aussi. Comme d'habitude, les syndicats vont se mobiliser pour remémorer cette journée très importante des travailleurs en faisant de la distanciation sociale. Yolanda qui dit « Je vais profiter de ce week-end pour garder le lit car j'ai des migraines. Manque de physiothérapie. » Oh, est-ce que vous êtes bloqué là des épaules ou... Faites attention, hein. Ouais. Victoria Possé, je vais profiter de ce week-end pour ranger certaines choses de la maison. Un peu de rangement, ça fait du bien. Ça vide la tête. On oublie les problèmes, les préoccupations. C'est bien de ranger, de faire le ménage. C'est important.
Ice Cubes, je vais profiter de ce week-end pour rester, peut-être me reposer, Ice Cubes, et lire, monsieur. Merci, Ice Cubes. Ensuite, je regarde Juan. Quant à moi, je n'ai rien à faire, donc je vais m'endormir profondément. Ça, c'est pas mal. Lowry, je vais profiter de ce week-end. Je vais travailler au jardin. Le temps est beau. Profitez. Profitez, Lowry. Si le temps est beau, c'est formidable. Allez, merci beaucoup. Allez, on va essayer de cliquer, on va essayer d'arriver à ces 100 likes, hein, s'il vous plaît, un peu de concentration, ça va être difficile, mais on peut peut-être y arriver. Alors, Cheryline avait posé la question, et effectivement, mon défi du jour, eh bien, il est clair, puisqu'il est à 0,0 km aujourd'hui. Mon excuse, c'est que Nicolas n'a pas d'école. Donc, si je voulais préparer un petit peu le cours, bien sûr, je préférais passer du temps avec lui et ne pas courir. Voilà mon excuse. J'espère que Cheryline acceptera mon excuse. Allez, on commence avec le t-shirt du jour. Le t-shirt du jour, eh bien le voici. Et le t-shirt du jour nous dit « Pas besoin d'abdos avec un humour pareil ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, une petite phrase pour me dire ce que vous pensez, eh bien de ce t-shirt, bien sûr. Pas le t-shirt, mais ce qui est écrit sur le t-shirt. Allez-y. Alors, Yessero demande, est-ce que je peux faire un exercice sur le verbe s'asseoir ? Oui, mais pas tout de suite, en fait. Hein. Je ne peux pas les préparer à la demande, comme ça. Mais pour lundi, pas de problème, Yessero, oui. Alors, chérie, les noms d'Nicole à l'extérieur avec vous et faites de l'exercice ensemble la prochaine fois. Oui, mais il fait gris, il faisait gris. Et puis, voilà, on était un petit peu dans une ambiance un petit peu paresseuse ce matin. Alors, Imane qui dit « Celui qui est beau n'a pas besoin d'abdos. » Et ça, c'est pas mal, parce que ça, c'est un nouveau slogan. Imane, il faut faire un t-shirt comme ça. « Celui qui est beau n'a pas besoin d'abdos. » Et ça rime, Imane, je dis bravo. Yessero qui dit « Ce monsieur fait la publicité pour attirer une femme. » J. Vincent, je me souviens plutôt mal de ce que les abdos étaient. Ah, moi, je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais connu cette chose. Imane qui dit, les traces quand on fait des exercices de sport, c'est ça.
Une sorte de choses bizarres que l'on ne connaît pas bien. Yolanda qui dit « Oh, j'ai compris ». Morita qui dit « Je n'aime pas les abdos ». D'accord. Ice Cubes, ça me rappelle le t-shirt avec des abdos. Je crois qu'il est produit par les Japonais, mais un peu drôle avec un visage vieux. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si les gens veulent réagir. Olga qui dit « Oui, je suis d'accord. » Yulia qui dit « Mais on n'a pas d'abdos, la tête va tomber dans les slips. » Mais peut-être avec l'humour, on va le garder flottant. Très bien. Ensuite, je regarde Luciana qui dit « Peut-être qu'il a raison parce qu'il est paresseux. » Ah ben c'est possible, c'est possible. Vous, Slade qui dit « À mon avis, c'est une excuse. » C'est une excuse, pense-vous cela, et probablement une mauvaise excuse, j'imagine. Mohamed qui dit c'est pour attirer les femmes. Hillary qui dit c'est pour mon mari. Eh bien voilà, une bonne idée de cadeau, une très bonne idée de cadeau, Hillary, pour votre mari. Et en plus avec le texte en français, un peu original. Ça, ça peut être une idée sympathique. Il va bien aimer, je pense, parce qu'il a le sens de l'humour. Donc, logiquement, il doit accepter. Olga, marcher est suffisant, mais pas trop vite. Juan qui dit, il faut qu'il fasse des exercices. Mélissa Madrid qui dit, je ne porterai pas ce t-shirt si j'ai des abdos. Pas d'excuses! Lakhdar Mohamed, les abdos sont juste un signe de famine. Et un manque de pitié. Merci beaucoup. Allez, on clique sur le like, s'il vous plaît. On essaiera quand même joyeusement, mais tranquillement, d'arriver aux 100 likes. Si vous n'avez pas cliqué, c'est maintenant. Merci beaucoup. Allez, la chanson du jour. La chanson du jour, c'est une chanson de Florent Pagny. Et c'est bien sûr une chanson d'amour. Savoir aimer. Très très belle chanson, je pense, de la fin des années 90. Je vous invite à la découvrir. C'est un classique. Hein. C'est un classique de la chanson française de cette période-là. Donc je vous invite à découvrir ça sur la playlist, bien sûr, du live qui est sur Spotify. Je vous ai mis le lien qui est là. Et puis vous pouvez l'écouter. Cherchez les paroles, essayez de comprendre. Normalement, le texte n'est pas très très difficile pour cette chanson. Et vraiment, je vous invite à découvrir la langue comme ça. Chanter, c'est toujours bon pour la phonétique. Voilà, Florent Pagny, savoir aimer. Allez. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Allez, une phrase pour dire ce qui se passe où vous habitez, dans votre pays ou dans le pays où vous habitez. Est-ce qu'il y a une actualité ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Luciana, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais essayez de faire une phrase pour parler d'un événement qui est important actuellement dans le pays où vous habitez. Allez-y.
Alors, je vous rappelle, hein, pour les personnes qui arrivent... Et je pense à Riena. Riena est en train d'arriver. Hop, directement, on clique sur le like. Lakdar, c'est la même chose. Un petit clic sur le like. Et après, vous participez en, eh bien, en tout simplement partageant avec une phrase, une actualité qui est importante dans votre pays. Stardust qui nous dit « Il ne se passe pas grand-chose ici pour le moment, je vis dans la zone rouge et nous avons un verrouillage strict. » Encore une fois, eh bien écoutez, bon courage hein, Stardust, c'est pas facile. Maroc Now, nous rejoins. Bonjour Maroc Now, s'il vous plaît, cliquez sur le like et participer. J. Vincent, aujourd'hui, nous nous réveillons tous lentement et nous nous préparons à faire du shopping avec nos masques sur le visage et dans le sac à main. Je déteste les masques. Ah bah oui, oui, c'est pas facile, hein, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Imané qui dit « Rien de spécial se passe dans mon pays. Le Maroc est calme. » Eh ben c'est bien. Si le Maroc est calme, tranquille, c'est une bonne chose. Vous, Slat, il y a un verrouillage dans le pays entier et tout le monde reste chez soi. Mag Z qui dit « Je vis dans un grand pays », et bien donc il y a au moins une actualité que vous pouvez proposer, Mag Z. Et Mag Z, on n'oublie pas... On n'oublie pas, Max Z, de cliquer sur le bouton like. Yossi, dès lundi cette semaine, les masques au dehors ne sont pas obligatoires. Les restaurants, les cinémas, les piscines, tout est ouvert. Omar, dans mon pays, la Colombie, le gouvernement a tué plusieurs personnes pour protester. Je suis triste pour eux et pour mon pays. Mélissa Madrid, chez moi, en Colombie, les gens font la grève pour annuler une décision politique concernant l'argent des citoyens. Victoria Posse, à Madrid, on ne parle que de la campagne électorale. Mardi, nous devons aller voter. Eh, avec le masque, hein, Victoria, même si on a été vacciné, il faut quand même faire un petit peu attention. Il y a beaucoup de variants qui circulent. Roman, je suis allé me promener ce matin dans la jungle. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de jungle partout. Les humains en Suède. Il y a plus de jungle que d'humains en Suède. Ah, ça, c'est vrai. Roman, c'est le côté positif des pays nordiques. Il y a de la place. On est tranquille, il y a de la place. Yesero. En ce moment, l'actualité dans mon pays est que les gens n'ont pas grande envie de recevoir des vaccins malgré le fait qu'ils soient disponibles. Ben ça, c'est dommage. Luciana, il y a des arbitraires commises par le pouvoir judiciaire. Le peuple, les médecins et même le président subissent des persécutions absurdes. Max Z, dans notre pays, on parle l'anglais comme une langue maternelle. Très bien. Yolanda, dans mon village, on a de l'asphalte dans la rue où j'habite et il suffit de faire des rigoles où il coule de l'eau. Lorsqu'il pleut, il y a aussi des passages bétonnés vers chaque maison. Julia, Thalys va doubler le nombre de trains à Paris, mais quand on peut y aller, ce n'est pas clair. C'est vrai que Thalys, c'est pas mal pour faire effectivement Bruxelles-Paris, c'est rapide. Et, mais je ne sais pas si c'est cher, je ne l'ai jamais pris. Olga, les gens font la destruction publique des magasins. D'accord, faites attention. Ice Cube, semi-quarantaine, toujours pour mes parents qui ont été vaccinés. Moi, pas encore. J'ai entendu que juste une personne que je connais
qui est décédé, mais beaucoup de cas. Il fait beau, donc la vie continue sur le balcon pour moi. Eh oui, et le balcon, c'est quand même pas mal. Quand on a un balcon, on peut profiter un petit peu de la vie. Mohamed qui dit « En Égypte, tout va bien pour travailler, parce qu'il fait beau et les gens vous encouragent à faire ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, oui, n'oubliez pas le masque. » Très bien, Morita qui nous dit « Je vais me faire vacciner en mai. » Très bien, Renato. « Dans mon pays, hier, on a commencé la troisième partie du déconfinement. » Évidemment, moins d'obligations. Bah oui, ça c'est formidable. Merci beaucoup. Allez, on n'oublie pas de cliquer sur le like, merci. Nous continuons avec la politesse et les bonnes manières. Et la première chose, allez, une petite seconde, je vais chercher, bien évidemment, ma page. Et la voici. Quand vous faites la queue, ne doublez pas les autres. Quand vous faites la queue, ne doublez pas les autres. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. Allez, on attaque directement les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est une ou la queue, et on l'écrit Q-U-E-U-E. Ensuite, doubler, verbe régulier du premier groupe, et ici, c'est bien sûr l'impératif D-O-U-B-E-B-L-E-Z. Et puis finalement, les autres, ici, ça doit être au pluriel, et vous l'écrivez A-U-T-R-E. S. Mettez bien le pluriel parce que vous voyez qu'il y a l'article les autres. Autres doit automatiquement être au pluriel. Deuxième chose, concernant la politesse et les bonnes manières en France, bien sûr, je le répète, ça n'est pas universel, mais c'est juste en France. Deuxième chose. Si vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous, informez l'autre personne. Si vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous, informez l'autre personne. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Bon, l'instant, c'est très très bien. Regardons ensemble la première chose, « pouvez » qui doit encore une fois être à la deuxième personne du pluriel, « pouvez », P-O-U-V-E-Z. Ensuite, « informer », c'est toujours la même chose, c'est l'impératif. C'est toujours pour la deuxième personne du pluriel, «
N-F-O-R-M-E-Z. Et puis personne. Bon, ben normalement, il n'y a pas de problème. Vous avez très bien écrit P-E-R-S-O-N-N-E. On continue avec la troisième chose concernant la politesse et les bonnes manières. Évitez de parler de sujets délicats ou très personnels avec des gens que vous connaissez peu. Évitez de parler de sujets délicats ou très personnels avec des gens que vous connaissez peu. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Alberto nous rejoint. Alberto Bettencourt. Alberto et les autres personnes qui nous rejoignent, n'oubliez jamais, jamais, jamais de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Allez, nous regardons les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est un adjectif. C'est l'adjectif délicat. L'adjectif délicat doit être ici au masculin pluriel. Le mot sujet, c'est un mot masculin, un sujet. Ici, il est au pluriel, vous le voyez avec le S à la fin. Donc, c'est le masculin pluriel. D-E accent aigu, L-I-C-A-T-S. Même chose pour personnel. Personnel, c'est le deuxième adjectif qui est lié toujours au mot sujet. Et donc, personnel doit être au masculin pluriel. P-E-R-S-O-N-N-E-L-S. Et puis finalement, le verbe connaître qui est, eh bien, conjugué à la deuxième personne du pluriel, vous connaissez, c'est O-N-N-A. I-S-S-E-Z. Allez, on continue avec la quatrième chose concernant la politesse et les bonnes manières françaises. Évitez de faire du bruit le soir si vous habitez en appartement. Évitez de faire du bruit le soir si vous habitez en appartement. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde, oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. La première chose, c'est un substantif. Et c'est un substantif masculin, le bruit, un bruit, d'accord ? Luciana, oui, c'est pour vos voisins, les spécialistes de la perceuse. Alors, substantif, un bruit. Le bruit. Et donc ici, bien sûr, quand on le combine avec la préposition « de », ça se transforme en « du », « du bruit ». Bruit, on l'écrit « b-r-u-i-t ». Ensuite, eh bien, c'est le verbe « habiter ».
Le verbe habiter, verbe extrêmement régulier. Vous l'écrivez ici à la deuxième personne du pluriel, vous, H-A-B-I-T-E-Z. Et puis finalement, appartement, faites attention, en français, il y a deux P, A-P-P-A-R-T-E-M-E-N-T. Allez, voilà, on passe à la cinquième. Je vois que J. Vincent s'en va. Au revoir, J. Vincent, et à bientôt, à la semaine prochaine. Regardons la cinquième chose concernant la politesse et les bonnes manières. Évitez de téléphoner dans les lieux publics ou faites-le de façon discrète. Évitez de téléphoner dans les lieux publics ou faites-le de façon discrète. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble les trois choses. La première chose, c'est encore une fois public. Hein, public, on l'aime bien, spécialement Ice Cubes. Public ici, c'est au masculin et c'est au masculin pluriel. N'oubliez pas le S parce que vous voyez que c'est lié au mot lieu. Le mot lieu, oui, c'est masculin. Mais regardez bien, c'est pluriel. Ça veut dire que notre adjectif public doit être au masculin, forme basique, IC, plus le pluriel avec le S, P-U-B-L-I-C-S. Ensuite, le verbe faire. Le verbe faire, qui est bien sûr ici, à l'impératif pour la deuxième personne du pluriel. Souvenez-vous, faites. F-A-I-T-E-S, faites. Et puis, souvenez-vous de la règle grammaticale, hein. Faites-le, le pronom, il va toujours arriver après, quand c'est à l'impératif. Fais-le, faisons-le, faites-le. D'accord, le pronom, il arrivera toujours après. Et puis finalement, discrète. Discrète, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui est lié au mot façon. Le mot façon, c'est un mot féminin, une façon, la façon. Ça veut dire que notre adjectif discret à la base doit être au féminin discrète. Vous l'écrivez D-I-S-C-R-E, accent grave T-E. Allez, merci beaucoup. Et Luciana qui dit « Je pense que mes voisins doivent faire un cours de politesse ». Eh bien oui, faites attention, Max Z, est-ce que public est public au féminin? Oui, en français, l'adjectif public au masculin, c'est-à-dire la forme basique, vous l'écrivez P-U-B-L-I-C. Et la forme féminine sera P-U-B-L-I-Q-U-E. Voilà. De cliquer si vous êtes arrivé dernièrement. Si vous n'avez pas cliqué sur le bouton like, s'il vous plaît, faites-le. Merci. Allez, s'il vous plaît, trouvez un mot qui commence avec OS.
Alors, je regarde Imané. Alors, Australie, phonétiquement, c'est bien, mais on ne l'écrit pas avec un OS. Et il n'y a pas beaucoup de mots, ça va être intéressant de voir si vous en trouvez. Mélissa Madrid qui nous dit un os, effectivement, ou, souvenez-vous, le pluriel, c'est la même forme, mais on va prononcer des os. Hein. Donc, le même mot, mais qu'on va prononcer au singulier os et au pluriel os. Hein, donc le S n'est pas prononcé et le O est beaucoup plus grave. Juan qui dit l'os. Stardust qui dit l'oseille, effectivement. Sarah qui dit ostensible, très bien. Yossi, ostensoir. Est-ce que c'est ostentatoire, vous voulez dire? Luciana, ostracisme. Lina, oser. Renato, ostentif. Omar... Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Omar, il a attrapé la maladie. Il va commencer à mettre des mots terribles. Ostéomyélite, qu'on utilise rarement. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé encore. Mais on ne sait jamais. Alberto, osé. Laurie, l'os. Riena, un os aussi. Lina, Yolanda, ostentatif. Dionaline, osé. Yesero, osé. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu sur la même longueur d'onde. Olga qui nous dit osier. Julia qui nous dit ostéopathe. Et Yolanda qui nous dit osciller. Merci. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Est-ce que vous aimez le repassage? Aimez-vous le repassage? Le verbe c'est repasser. Est-ce que vous aimez repasser? Oui ou non? Faites-moi une phrase, s'il vous plaît. Alors, c'est Stardust qui commence et qui nous dit « Non, je n'aime pas repasser, mais... » Et c'est là que vous voyez l'intelligence de la personne. « J'ai des vêtements que vous n'avez pas besoin de repasser. » Ah ben oui, ça c'est très intelligent. Mais est-ce qu'on peut trouver vraiment tous les vêtements en version non repassable? Ice Cubes, non, je n'aime pas repasser, mais... Je le fais. Ben oui. Luciana, non, je déteste faire le repassage. C'est très peu populaire, je crois. Renato, non, surtout en été, quand il fait très chaud. Alors ça, c'est vrai que c'est horrible. Yolanda qui dit, non, je déteste le repassage, je préfère coudre.
Vous échangez vos services. Mac Z. Oui, j'aime beaucoup le repassage car mes vêtements sont nets. Ah ben oui, mais c'est différent. Donc vous aimez, ça c'est incroyable. Alors là, si vous aimez, je dis bravo. Imané, je déteste repasser car je ne peux pas supporter la chaleur. Hillary qui nous dit non, mais je le fais chaque semaine. Ben oui, on n'a pas le choix. Julia, j'adore le repassage au milieu de la rue. Mais voilà, c'est un endroit idéal pour repasser. Sinon, c'est un peu ennuyeux. Peut-être que c'est pour ça que cette personne a décidé de repasser là. Mais je ne sais pas comment elle a branché son fer. Une autre question. Sin, j'essaye d'acheter des vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés. Ça, c'est formidable. Mélissa, j'aime bien le résultat, mais le processus. Ça dépend des jours. Bah oui. Yesero, pas vraiment, car je l'ai trouvé agaçant quand je n'arrive pas à redresser mes vêtements. Bah oui. Alberto, non, parce que le repassage est fatigant. Pour le dos... Et pour les pieds, c'est vrai. Leslie, je n'aime pas le repassage. Ben oui, mais je dois faire ça avec de la musique. C'est pas très mal. C'est peut-être ça, mais ça dépend. Une musique plutôt tranquille ou plutôt une musique énergique, ça je ne sais pas. Roman, quand vous n'avez rien à faire, le repassage est une bonne option. Et pendant le repassage, vous pouvez aussi chanter avec vous-même. Hein? Alors, Leslie écoute de la musique, Roman chante. Très bien. Laurie qui dit non, je n'aime pas le faire. Ben oui. Mohamed qui dit pas du tout, parce que c'est très fatigant. Victoria Possé, je déteste le repassage. Et chaque jour, je repasse moins. Victoria Possé, elle a dit non, c'est fini. C'est fini le repassage, je fais la grève du repassage. Omar, je n'ai pas de repassage, mais il n'y a pas d'option si on veut. Ah, je n'aime pas le repassage, mais il n'y a pas d'option si on veut des vêtements avec un bon aspect. Olga, non, je dois choisir, le naturel c'est très bien pour moi. Vouslat, oui, j'aime le repassage parce que j'écoute de la musique ou un podcast pendant que je le fais. Amar, non, mais parfois on doit le faire, bien sûr. Juan qui dit, quand j'étais petit, j'aimais ça. Mais sincèrement, aujourd'hui, je n'aime pas ça. Bah oui. Cassandra, oui, bien sûr, car je n'aime pas porter des vêtements froissés. N70 qui dit, non. Pas du tout. Cherylyn qui dit « Je suis une maniaque de la propreté. » Cherylyn, quand elle arrive chez quelqu'un, hop, elle regarde s'il y a de la poussière. Donc, je trouve que le repassage est satisfaisant. Et Olga qui dit « Non, jamais dans la rue. » C'est clair. Et Imane qui dit « Une voiture va l'écraser avant de terminer son repassage. » Pauvre personne. Merci beaucoup. Allez, ça dépend, mais je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile aujourd'hui. Si vous arrivez, si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Ou jamais. On va essayer, mais les 100, ça peut être un petit peu compliqué. Allez, on y va et on continue. Partir, vivre en France, c'est une nouvelle rubrique et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de découvrir. Eh bien, la France, si vous avez envie de partir vivre là-bas, il y a quelques notions qu'il faudra connaître. Et la première chose, ici, c'est les valeurs essentielles de la société française. On va les découvrir ensemble. La première chose. Alors, attendez. On va faire comme ça. Et je vais, bien sûr, vous lire les choses. Trouvez les mots qui manquent. Les valeurs existent
dans tous les pays et permettent de vivre ensemble en société. Certaines sont universelles, communes à l'ensemble de l'humanité, d'autres sont propres à la culture d'un pays, le résultat d'une histoire partagée sur un territoire. Les valeurs existent dans tous les pays et permettent de vivre ensemble en société. Certaines sont universelles, communes à l'ensemble de l'humanité, d'autres sont propres à la culture d'un pays, le résultat d'une histoire partagée sur un territoire. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, je regarde, et oui, ça a l'air d'être très très bien ce que vous avez écrit, une toute petite seconde, je vais cliquer, voilà. Allez, on était à la recherche de quatre choses. La première chose, c'est le verbe permettre, qui est conjugué ici au pluriel, à la troisième personne du pluriel du présent. Permettre, P-E-R-M-E-T-T-E-N-T. Ensuite, c'est un adjectif, c'est l'adjectif universel. L'adjectif universel ici est lié, connecté à, au substantif valeur. Valeur, c'est féminin et c'est pluriel. Donc, notre adjectif universel devra être au féminin pluriel. Universel au féminin pluriel, vous l'écrivez UNIVERSELLES. Ensuite, c'était résultat. Résultat, c'est un substantif qui est masculin. Un résultat, le résultat, vous l'écrivez RE accent aigu SULTAT. Et puis, finalement, c'était partager. Partager ici, adjectif. Adjectif qui va être au féminin, puisqu'il est connecté au mot histoire. Histoire, c'est féminin. Partager doit être au féminin. P-A-R-T-A-G-E, accent aigu, plus le féminin, E. Désiré nous rejoint. Bonjour Désiré. Allez Désiré, hein, on clique sur le like, vous connaissez les règles. Numéro 2, on continue notre chose concernant la France. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles s'appliquent à des personnes d'origine différente qu'elles réunissent autour de règles communes. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles s'appliquent à des personnes d'origine différente qu'elles réunissent autour de règles communes. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Thank you.
Allez, on regarde les quatre choses qui manquaient. La première chose, c'était importante, que vous avez probablement bien entendu. Apparemment, oui. Donc, c'était le féminin. Mais bien sûr que c'est le féminin pluriel, hein, ici. Et on l'écrit I-M-P-O-R-T-A-N-T-E-S. Hein. On n'oublie pas le S, juste parce que c'est le pluriel. Vous voyez ici que c'est L. L est au pluriel. E-L-L-E-S. Ensuite, le verbe c'est s'appliquer. Alors s'appliquer, on doit le conjuguer à la troisième personne du pluriel, bien sûr, puisque c'est toujours elle. Et vous l'écrivez A-P-P-L-I-Q-U-E-N-T. Ensuite, origine qu'on met ici au pluriel. O-R-I-G-I-N-E-S. Pour votre information, origine c'est un mot féminin. Une origine. Et puis finalement, le verbe c'est réunir. Le verbe réunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et donc, quand vous allez le conjuguer, je réunis, tu réunis, il, elle réunit, nous réunissons, vous réunissez, il, elle réunissent. I-S-S-E-N-T. Et donc, vous écrivez R-E accent aigu. U-N-I-S-S-E-N-T. Voilà, on continue avec la troisième chose, et puis je vais vous le lire, voilà. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs issues de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs issues de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. Alors, on regarde ensemble. La première chose, c'est le mot valeur. Hein, donc, c'est un substantif. Pour votre information, c'est féminin. Une valeur, la valeur. Ici, c'est au pluriel. Donc, avec le S à la fin. V-A-L-E-U-R-S. Ensuite, issu. Alors, donc, souvenez-vous, hein, je vous ai dit, le mot valeur, c'est féminin. Donc, logiquement, issu, forme basique. I-S-S-U doit être au féminin et au pluriel. I-S-S-U, marque du féminin, E, marque du pluriel, S. Ensuite, citoyen, eh bien citoyen, c'est un substantif, c'est masculin, le citoyen, un citoyen. Et donc ici, quand on le combine avec eh bien, la préposition de, vous obtenez du citoyen. C-I-T-O-Y-E-N. Et puis la dernière chose, c'est août. Hein, août, alors faites attention, août, on va le prononcer en général avec le T final. Si vous ne l'entendez pas, c'est possible. Ça dépend des personnes, ça dépend des régions. En général, on considère que on devrait prononcer le T final. Août, on l'écrit A-U. Pardon, A-O-U, accent circonflexe, T, voilà, août. On y va, numéro 4. Numéro 4, même chose ici, écrivez. Ce document fondateur de la République française définit les droits et libertés de chaque individu. Ce document
fondateur de la République française, définit les droits et libertés de chaque individu. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Max Z, est-ce que tous les mots qui se terminent en E sont féminins? Non. Alors là, non, non, non. Et vraiment, vraiment, non. Ne considérez pas que c'est aussi simple que ça. Malheureusement, ça n'est pas simple du tout. Allez, si on regarde ensemble les quatre choses qui manquaient, la première chose, eh bien, c'est fondateur. Fondateur, on doit, alors donc c'est un adjectif qu'on doit laisser ici, ben, au masculin, forme basique, fondateur. Souvenez-vous que c'est lié au verbe fonder. Souvenez-vous que fonder, en français, on l'écrit F-O-N-D-E-R. Hein. Donc il n'y a pas de U, hein, comme ça peut exister en anglais. Ici, fondateur, vous allez l'écrire F-O-N-D-A-T-E-U-R, d'accord? On laisse bien sûr au singulier parce que vous voyez que document est au singulier. Ensuite, le verbe c'est définir. Le verbe définir, ici, vous le conjuguez à la troisième personne du singulier, défini avec un T à la fin. D-E accent aigu, F-I-N-I-T. D'accord ? Et puis liberté, alors liberté est un mot qui est féminin, une liberté, la liberté. Ici, il doit être au pluriel, et donc avec le S à la fin, L-I-B-E-R-T-E accent aigu, S. Et finalement, individu. Un individu, c'est un mot qui est masculin, et donc vous l'écrivez I-N-D-I-V-I-D-U. Cinquième chose concernant la France et les valeurs. La liberté. Les libertés fondamentales sont garanties. Liberté de penser. Liberté de croyance, liberté de s'exprimer, liberté de se réunir, liberté de se marier. La liberté. Les libertés fondamentales sont garanties. Liberté de penser, liberté de croyance, liberté de s'exprimer, liberté de se réunir, liberté de se marier. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Ouais, c'est bien. Alors, la première chose qui est importante, hein, donc le premier mot ici, c'est fondamental. Fondamental ici, ben, c'est un adjectif. Donc, ça veut dire que on doit, bien sûr, le définir en fonction eh bien, du mot auquel il est connecté. Il est connecté à liberté. Liberté, c'est féminin et liberté, c'est pluriel. Alors, donc notre adjectif fondamental devra être au féminin pluriel F-O-N-D-A-M-E-N-T-A-L-E-S. Ensuite, penser. Penser,
Eh bien ici, c'est un mot qui est féminin. La pensée, une pensée, la liberté de penser. Vous écrivez ça P-E-N-S-E, accent aigu, E. Croyance, croyance, mot féminin, la croyance, une croyance. Vous l'écrivez C-R-O-Y-A-N-C-E. Et puis ensuite, c'est un verbe. Le verbe, c'est s'exprimer. S'exprimer, donc S apostrophe, E, X, P, R, I, E, E, P, R, I, M, E, R. Allez, on continue avec une valeur supplémentaire et très très important. Ah bon, on l'avait déjà eu celle-là. Ah, je suis perdu. Attendez, voilà. C'est la septième, pardon. Et c'est la fraternité. La fraternité. La France est fondée sur une volonté de vivre ensemble des citoyens français. La France est une république sociale qui garantit la solidarité, contribue à la cohésion sociale et veille à l'intérêt général. La fraternité. La France est fondée sur une volonté de vivre ensemble des citoyens français. La France est une république sociale qui garantit la solidarité, contribue à la cohésion sociale et veille à l'intérêt général. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble les quatre choses que nous cherchions. La première chose, c'est volonté, substantif qui est féminin, une volonté, la volonté, donc qui est bien sûr liée au verbe vouloir, hein, que nous connaissons tous. Volonté, vous l'écrivez V-O-L-O-N-T-E, accent aigu. Ensuite, social. Social est un adjectif qui doit être au féminin, puisque république est un mot qui est féminin. Une république, la république, et donc sociale, doit être avec un E à la fin, puisque c'est le féminin. S-O-C-I-A-L-E. Ensuite, solidarité, substantif féminin, une solidarité, la solidarité, S-O-L-I-D-A-R-I-T-E. Accent aigu. Et puis finalement, cohésion, qui est bien sûr un mot féminin, un mot en ion, donc c'est féminin. C'est O-H-E, accent aigu, S-I-O-N. Et puis, eh bien voilà, la dernière valeur fondamentale, la laïcité. La France est une république laïque qui garantit la liberté religieuse et protège la liberté de conscience. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. L'État est indépendant des religions et n'aide aucune religion. La laïcité. La France est une république laïque, qui garantit la liberté religieuse et protège la liberté de conscience. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. L'État est indépendant des religions et n'aide aucune religion. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. We'll be right back.
Alors, on regarde ensemble les choses qui manquaient. La première chose, adjectif religieuse, qui doit être au féminin, puisque liberté est un mot féminin. Et donc, singulier, hein, pas de pluriel ici, c'est la liberté religieuse. R-E-L-I-G-I-E-U-S-E. Ensuite, conscience. Conscience, c'est un substantif qui est féminin. La conscience, une conscience. Ici, vous l'écrivez C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. Ensuite, église. Église qui est un mot féminin. Ici, c'est au pluriel avec le S à la fin. E accent aigu, G-L-I-S-E-S. Et puis finalement, indépendant. Indépendant doit être ici au masculin, puisqu'il est relié à état. État, c'est un mot masculin. Un état, indépendant, I-N-D-E, accent aigu, P-E-N-D-A-N-T. Voilà, merci beaucoup. N'avez pas fait, n'oubliez pas de cliquer sur le like. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Essayons d'arriver à 100 likes. Ça pourrait être sympathique quand même. Pour ce cours, ce serait très gentil. Allez, à vous la parole, à vous la parole. À votre avis, qu'est-ce qu'il est important de ne pas oublier de dire à sa maman? Et je vous propose une belle photo de ma belle maman ici. Qu'est-ce qu'il est important de ne pas oublier de dire à sa maman? Quelles sont les choses qui sont importantes de transmettre à sa maman? Alors, Renato nous quitte. Au revoir, Renato, et bon week-end, Imane aussi. Alors, je regarde Imane qui dit directement, il est important de dire à sa maman, je t'aime de tout mon cœur. Mais pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Imane? J'ai pas compris. Leslie, il est important de dire à sa maman que je l'aime fort. Eh ben oui, bien sûr. Yesero, il est important de dire merci à sa maman. Et je t'aime. Voilà, N70 considère qu'il est important de dire à sa maman « je t'apprécie ». Ice Cubes, mettre un masque dehors et n'oublie pas les clés. Oui, mais Ice Cubes, regardez ma maman, elle a son masque. Vous voyez, elle a son masque. Eh oui. Ah oui, oui, non, c'est une personne très sérieuse avec le masque. Stella, selon moi, tout est important quand on discute avec sa maman. On peut profiter de chaque avis en partageant avec elle. Eh ben oui, effectivement. Ah oui, d'accord, Imane, vous partez pas. Très bien, excusez-moi, j'avais pas compris. Ah, c'est le temps, hein, c'est le temps. Mag Z, il est important de dire à sa maman, je t'aime beaucoup,
plus que quoi que ce soit. Ben oui, Yossi, eh ben c'est la même chose. Je t'aime, maman. Il faut dire je t'aime. Yulia, je sais, je peux le faire moi-même. C'est quelque chose qu'il faut répéter assez fréquemment pour garantir une indépendance. Juan, malheureusement, je n'ai pas de maman, elle est dans le ciel, mais si je l'avais eue un peu, je lui aurais dit « je t'aime de tout mon cœur ». Eh ben oui. Eh bien oui, Vouslat, il faut dire qu'elle doit faire attention à sa santé et qu'elle ne doit pas oublier de boire beaucoup d'eau. Eh oui. Victoria Possé, il est important de ne pas oublier de dire « je t'aime, maman ». Eh oui. Stardust, je dirais tout à ma mère, à ta mère. Elle a l'air très amicale, mais je ne dirais rien à ma mère, désolé. Ah ben ça, c'est... Chacun fait comme il veut ou comme il peut avec les autres, hein. Ça, pas de problème. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Elle est très amicale et elle rit beaucoup. Mélissa Madrid, peux-tu me donner un coup de main avec les enfants? Alors, l'avantage, c'est que nous n'habitons pas dans la même ville et pas dans le même pays, donc c'est plus important, c'est plus facile. Donc, Mélissa qui dit, mais je plaisante, le plus important, c'est de dire merci. Alberto, la chose la plus importante est de dire que nous l'aimons beaucoup et qu'elle est très belle. Ah ben les mamans, c'est toujours belle. Omar, la maman, c'est une personne inoubliable. Mais elle est partie... attendez, elle fait partie de moi? Non? Il y a plusieurs choses que je voudrais dire si je pouvais, mais dans une prochaine vie, j'espère. Cheryline qui dit « Il est important de lui dire que vous l'appréciez. À quel point vous l'appréciez ?» Mohamed, de faire attention à elle-même parce qu'elle est la plus importante de ma vie. Ben oui, il faut faire attention. Luciana, quelle belle photo, félicitations. Ma maman est morte, elle me manque beaucoup. L'important est de dire que vous êtes toujours avec elle. Même si vous êtes loin, vous l'aimez et vous la soutenez. Mélos qui dit, il faut dire à sa maman... « Maman, tu es ma vie. » Alors ça, c'est magnifique. Alors là, je dois dire que... Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ça, c'est vrai. Je trouve que la formule est vraiment formidable. Maman, tu es ma vie. Je trouve que c'est très, très beau. C'est vraiment bien écrit. C'est simple, efficace, mais très beau et poétique. Cassandra, je demande toujours, maman, avez-vous besoin de quelque chose, s'il vous plaît? Dites-moi ou dis-moi si tu as besoin d'argent ou quelque chose. Romane, tu es mon monde, maman. Ça aussi, c'est pas mal. J'aurais appuyé. Très bien, Cheryline, rappelez-lui de faire de l'exercice et de manger sainement, etc., etc. Et Yulia qui se moque et qui dit « Bah oui, elle ressemble à Romy Schneider, il faut donc l'aimer !» Merci. Allez, 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 s'il vous plaît, cliquez sur le like si vous ne l'avez pas fait. Merci. Et on y va la dictée de nombres, hein, le grand classique. On est obligé de la faire parce que nous sommes quand même des professionnels. Nous voulons maîtriser intégralement la langue française
Et c'est toujours compliqué de bien maîtriser les chiffres et les nombres. On attaque directement avec le premier, un chiffre, je les lis rapidement parce que c'est un niveau avancé. 8. 8. Gazelle bleue, je n'aime ni le ton de votre parole, ni votre rire artificiel. Eh bien, ça n'est pas un problème, Gazelle bleue. Vous pouvez changer de chaîne. Au revoir. Ça, je trouve ça formidable. Merci beaucoup, Gazelle bleue. Merci beaucoup. Allez, si on était à la recherche du... Numéro 8. Ça, je suis toujours surpris par les gens. Et je me dis, c'est quand même un petit peu étrange de prendre le temps d'écrire une phrase pour dire quelque chose de négatif comme ça. Gazelle bleue, merci. Merci beaucoup, tenez, c'est pour vous, Gazelle bleue. Allez, on continue, c'est pas grave, parce que le concept d'une gazelle qui est bleue, c'est quand même un concept très très original, et je dois dire que je trouve que ça m'intéresse. Attention, 2 chiffres, et on y va. 73. Alors, ouais, c'est très très bien, effectivement. Donc 73, hein, 7 et 3. Donc pour le moment, tout le monde l'a trouvé. Je dis bravo. Allez, numéro 3. Eh bien, écoutez, nous avons 3 chiffres. Attention, je les lis rapidement. 186. Alors, oui, faites attention, Ice Cubes, un petit peu trop généreuse. Hein. 186, ça n'était pas 196, mais c'était 186, 1, 8, 6. Daria nous rejoint. Bonjour Daria, comment ça va? Daria, on n'oublie pas de cliquer. Ça va, la vie est belle, Daria. On est en train de parler des bonnes manières, si ça vous intéresse, et de la politesse. Je sais que vous êtes très poli, mais vous pouvez participer. Allez, numéro 4, ça veut dire 4 chiffres. Attention, 9992.
Victoriade, vous arrêtez pas de rire. Ah non, c'est pas parce que une gazelle bleue, qui est un animal qui n'existe pas, soyons objectifs, va me dire que je ris trop. Ah non, non, moi j'aime bien rire. Hein. Allez, on regarde ensemble. Alors ici, oui, c'était un petit peu... Pour l'instant, c'est bien. Cassandra, faites attention. C'était pas 91, d'accord, mais c'était 92. Mais c'est pas grave. C'était vraiment très, très, très proche. Hein. Donc 9992, 9, 9, 9 et 2. Allez, on continue avec le cinquième. Cinquième avec 5 chiffres. 24115. Alors, pour le moment, c'est bien. Yulia était un petit peu généreuse. Regardez, ici, c'était 24 000. Donc ça, globalement, c'était bien. 115, 1, 1, 5. D'accord ? Donc 24 115, 2, 4, 1, 1, 5. Allez, on continue avec le numéro 6. Attention, ça se complique. Le numéro 6, 6 chiffres. 562 007. Allez-y. C'est gentil. Lucien qui dit nous vous aimons. Mais moi aussi, je vous aime. Ne vous inquiétez pas. J'ai la peau résistante. Enfin, pas vraiment, mais j'essaye en tout cas. Ah, ces choses-là, ça ne me préoccupe pas. Allez, on regarde ensemble. Ouais, c'est bien. Faites attention. Ouais, Niesero, faites attention pour le premier. Alors, j'y suis allé rapidement, hein, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'était 562, d'accord ? Vous avez entendu 561, mais bon, c'est pas grave. Donc, 562, 5, 6, 2. Et puis 7 à la fin, donc 0, 0, 7. 562 007. Allez, on finit avec celui-là, 7 chiffres. Hein. Attention, je vais le lire juste une seule fois et je vais le lire à mon rythme normal. 8 994 771. Allez-y. Tu vois bien à cause des lunettes, c'est grâce aux lunettes. Mes lunettes rouges, objet magnifique. Ah bah oui, Ice Cubes, heureusement que j'ai les lunettes, c'est l'âge, c'est l'âge. Allez, on regarde ensemble, ça a l'air d'être assez bien. Alors Yulia qui met des X. Ah, les X, c'est pour remplacer ce qu'on n'a pas entendu. 8 millions, donc ça c'est clair, globalement, pas de problème. Ensuite, 994 000,
9-9-4. 771, 7-7-1. 8 994 771. Voilà, merci beaucoup. Et je suis désolé de vous avoir torturé avec ça. Allez, à vous la parole. Est-ce qu'il fait beau chez vous aujourd'hui? Parce que quand je regarde par la fenêtre, là, non, par la fenêtre, c'est un petit peu gris, c'est couvert. Ça n'est pas gris, mais c'est quand même très, très nuageux. Et chez vous, quand vous regardez là, par la fenêtre, quel temps fait-il? Allez-y, s'il vous plaît, une phrase. Allez, Hillary qui est la première et qui dit « Oui, il fait très beau !» Eh ben ça, c'est formidable, Hillary. Hein. Il faut profiter, aller dehors après et profiter du temps. Juan qui dit « Non, le ciel est complètement nuageux, c'est triste et froid, c'est à cause de l'automne. » Bah oui, ça c'est... Mais même s'il ne fait pas beau, hein, il faut se forcer à sortir un petit peu. Ange Gabriel qui dit « C'est pareil, d'accord, donc un peu nuageux. » Stardust « Non, nous avons un orage !» Ah, nous aurons un orage. Il ne fait pas jour de toute la journée et il pleut. Ah oui, ça c'est pas joyeux. Hein. Imane, non, il ne fait pas beau. Non, pas beau. Moi j'aime le soleil et j'avais l'habitude de voir du soleil bleu. Maintenant je suis triste. Ah non, c'est gris et triste. D'accord. Max Z, oui, il fait beau aujourd'hui. Très ensoleillé. Je crois qu'il fait 14 degrés dehors. Alors là, il faut profiter, Max Z, il faut marcher dehors. Luciana qui dit « Oui, aujourd'hui il fait beau, le soleil brille, tout est magnifique. » Vous voyez, hein, la vie est belle. Omar, il ne fait pas beau, il fait froid avec des nuages et il pleut aussi. Ben oui, ça peut arriver. Hein. Leslie, oui, il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, mais avec du vent. Ça, c'est pas grave. Leslie, ça, c'est pas grave. Hein. Concentrons-nous. Si vous avez du soleil, concentrez-vous sur le soleil. Le vent, c'est vrai que c'est pas toujours agréable, mais le soleil, c'est important. Ça réchauffe la peau. Yesero, oui, il fait beau et le ciel est ensoleillé. Mélissa, Madrid, non, il fait gris, mais il faut profiter aussi de la fraîcheur. Qui viendra l'été, et il y a ceux qui n'aiment pas la chaleur, c'est vrai. Sa mère qui dit « Il fait beau, mais un peu froid », avec un D. Cheryline qui dit « Il fait très sombre dehors, parce qu'il est 1h45 du matin ». Et oui, Yossi, aujourd'hui il fait très beau, 28 degrés, ensoleillé et pas de nuages. Yulia, ici le ciel est assez clair, avec quelques nuages mignons. En forme d'agneau. Mais il fait frais. Comment est-ce que c'est des nuages en forme d'agneau? Des tout petits nuages comme ça qui bougent. Ice Cubes, oui, il fait très beau. Avec le personnage qui tire la langue, donc il fait chaud. Olga qui dit, aujourd'hui c'est une très bonne journée pour le moment.
Sin qui dit « Il fait chaud maintenant, mais c'est probable qu'il va pleuvoir plus tard ». Mais ça, c'est pas grave, il faut en profiter, hein. Profiter avant la pluie. Mohamed qui dit « Aujourd'hui, il fait très chaud, mais c'est adorable parce que je kiffe le fait qu'il fasse chaud, mais pas les moustiques ». Attention, hein. Les moustiques. Ellie qui dit il fait chaud et c'est la nuit ici, il y a beaucoup d'étoiles. Oh. Victoria Possé qui nous dit « Aujourd'hui, il fait beau ». Ensoleillé après 2 jours de pluie. Ensuite, Vouslat qui dit « Aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. » Cassandra, « Il est ensoleillé aujourd'hui, je vais profiter du temps pour me promener sur la plage. » Bah oui, promenez-vous sur la plage et profitez du temps. Sophia qui nous dit « Il fait beau, j'ai profité de prendre pour faire une petite promenade. » Bah oui. Mélos, « Il pleut et il fait chaud. » Ah, les deux ensemble, c'est pas toujours une association très formidable, mais bon. Mais c'est mieux que s'il fait froid, peut-être. Alberto, oui, il fait beau, c'est le premier jour de mai qui est ensoleillé. Très bien, merci beaucoup. Il y a Denise qui nous rejoint. Denise, on clique sur le like avant de dire quoi que ce soit. Hein, vous connaissez la règle. Hop, et après, on peut dire bonjour. Alors, vous le savez, hein, partir vivre en France, on l'a commencé tout à l'heure. Et donc, c'est la deuxième partie. Et nous allons eh bien, découvrir ce concept de la République française. Comme d'habitude, eh bien, je vais vous lire les choses et vous allez chercher les mots qui manquent. Et on commence avec ça. La France est une république, une et indivisible, qui comprend un seul territoire, une seule langue officielle et une loi qui s'applique à tous. La France est une république une et indivisible qui comprend un seul territoire, une seule langue officielle et une loi qui s'applique à tous. Allez-y s'il vous plaît. Écrivez les mots qui manquent. Alors, Educate With Me nous rejoint et on n'oublie pas de... On n'oublie pas de cliquer, notre objectif c'est 100. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne pense pas. Allez, regardons ensemble, on était à la recherche de 4 choses. La première chose, c'est République. Alors ici, République, comme on considère que c'est une notion qui est assez importante, on met une capitale, la République. Une République, R majuscule E accent aigu, P-U-B-L-I-Q-U-E. Ensuite, indivisible. Indivisible, ici, ben, la forme masculine ou féminine, c'est la même. On l'écrit I-N-D-I-V-I-S-I-B-L-E. Et puis, territoire. Alors, vous le voyez ici, c'est un substantif, c'est masculin. Et donc, vous l'écrivez T-E-R-R-I-T-O-I-R-E. Et puis finalement, officiel, ici qui doit être bien sûr au féminin, tout simplement parce que langue, c'est féminin, et donc officiel, vous allez l'écrire O-F-F-I-C-I-E-L, et on rajoute le L-E pour le féminin. Oui, Denise, quand on parle de la République ici, une République, on va mettre la majuscule quand même, c'est notre République.
Numéro 2, la France compte aujourd'hui 13 régions, 101 départements et plus de 35 000 communes. La France compte aujourd'hui 13 régions, 101 départements et plus de 35 000 communes. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, on regarde ensemble. Alors là, c'était assez court, hein, donc j'en ai mis juste trois. La première chose, c'est région. Région, c'est un mot qui est féminin, une région. Et donc, on l'écrit R-E accent aigu, G-I-O-N-S. Alors attendez, Chériline, territoire officiel, double prise. Attendez, je finis ça parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Département, c'est un substantif aussi et il est masculin, mais ici, bien sûr, il est au pluriel. D-E accent aigu, P-A-R-T-E-M-E-N-T-S. Et puis finalement, commune ici, eh bien, vous allez le mettre au pluriel aussi puisque c'est 35 000. Commune, c'est un substantif qui est féminin. Une commune, la commune, ici avec le S, C-O-M-M-U-N-E-S. Allez, on continue avec la troisième chose. Et Chériline, si c'est une question formulée, parce que j'ai du mal à tout faire en même temps. Hein. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas une machine. Son territoire comprend la métropole et s'étend sur 8 territoires en Outre-mer. Son territoire comprend la métropole et s'étend sur 8 territoires en Outre-mer. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Il faudra qu'on revienne. J'avance, on regardera après. Hein. Allez, on regarde ensemble la première chose, substantif, territoire, qui est un mot masculin. Et donc, territoire, ben, on l'écrit T-E-R-R-I-T-O-I-R-E. Ensuite, métropole, la métropole, eh bien, on l'écrit M-E accent aigu T-R-O-P-O-L-E. Pour l'instant, c'était bien écrit. Et finalement, outre-mer, mer, vous l'avez aussi bien écrit M-E. R. Allez, quatrième chose concernant, eh bien, la France. La France est une république démocratique. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La France est une république démocratique. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. «
Est-ce que ça veut dire qu'on a... Alors, Denise qui me dit, c'est... on recommence, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit deux fois la même chose? Il faut me le dire. Je ne suis qu'un homme. Allez, on regarde ensemble les choses qui manquaient. Démocratique ici, qui doit être, eh bien, au féminin, mais en même temps, ça fait partie, encore une fois, de ces mots qui seront les mêmes au féminin ou au masculin. Démocratique, D-E accent aigu, M-O-C-R-A-T-I-Q-U-E. Ensuite, principe, vous le voyez, substantif, c'est masculin, le principe, un principe, et donc ici vous l'avez avec le possessif, son principe, P-R-I-N-C-I-P-E. Et finalement, gouvernement, substantif masculin, le gouvernement, un gouvernement, G-O-U-V-E-R-N-E-M-E-N-T. Voilà. Allez, on continue avec la cinquième chose. Les responsables politiques sont élus au suffrage universel, ce qui signifie que tous les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de vote. Les responsables politiques sont élus au suffrage universel, ce qui signifie que tous les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de vote. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ici la première chose, responsable substantif. Alors, souvenez-vous que responsable, ça peut être masculin, un responsable, ou une responsable, ici c'est au pluriel. On écrit R-E-S-P-O-N-S-A-B-L-E-S. Ensuite, élu, eh bien ici, on va le mettre effectivement au masculin pluriel, parce qu'on suppose qu'il y aura toujours, dans ce contexte, au minimum un homme. Et donc, vous le savez, la règle est assez stricte, grammaticalement. Si vous avez un groupe de personnes dans lequel il y a au minimum un homme, on met tout au masculin pluriel. Le masculin n'a pas vraiment, finalement, en grammaire, cette notion de masculin. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est finalement la forme basique. Donc, pour éviter les discussions, parce qu'il y a toujours des grandes discussions maintenant à ce sujet, considérez que la forme masculine, c'est la forme basique, et la forme féminine, c'est la forme évoluée. Voilà, en tout cas ici, c'est la forme basique, puisque c'est pour tout le monde, E accent aigu, L-U-S. Ensuite, c'est le verbe signifier. Le verbe signifier, qui est un verbe du premier groupe, que l'on conjugue ici, eh bien la troisième personne du singulier, signifie, S-I-G-N-I-N-I-N-I, F-I-E, signifie. Et puis ensuite, vote qui est un substantif, hein, masculin, le vote, V-O-T-E. Denise qui dit, moi je dirais femme et homme, oui, bien évidemment, c'est un document officiel et je pensais que c'était important de vous le retransmettre tel quel. Donc c'est un document qui est en général donné aux personnes qui s'installent en France. Et donc, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le document officiel. Je ne vais pas le toucher, mais
ce sont des sujets qui peuvent être discutés, hommes et femmes ou femmes et hommes, effectivement. Spécialement que j'habite dans les pays nordiques, hein, Denise, donc cette question d'égalité des hommes et des femmes, ça fait très longtemps que c'est plus d'actualité ici. La France est un état de droit fondé sur des lois que tous, y compris la puissance publique, ont le devoir de respecter. La France est un état de droit fondé sur des lois que tous, y compris la puissance publique, ont le devoir de respecter. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Ice Cube, ce qui dit le masculin est plus dominant que le féminin. Ça dépend des contextes, des pays. Ici, par exemple, en Finlande, quand vous avez actuellement les membres du gouvernement qui s'expriment pour parler de la situation du Covid, tous les ministres, ce sont des femmes. Il n'y a pas d'hommes qui participent à la discussion. Donc tout est relatif, tout est relatif. Allez, regardons les trois choses que nous cherchions. Eh bien, la première chose, c'est fondé ici. Eh bien, c'est la forme basique, c'est-à-dire F-O-N-D-E, accent aigu. Ensuite, puissance, vous le voyez, c'est un substantif, c'est féminin. La puissance, P-U-I-S-S-A-N-C-E. Et finalement, respecter. Eh bien, respecter, verbe à l'infinitif, que vous écrivez bien, R-E-S-P-E-C-T-E-R. Allez, on continue avec la septième chose. Nos institutions sont fondées sur la séparation du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire. Nos institutions sont fondées sur la séparation du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, regardons ensemble les choses qui manquaient. La première chose, c'est institution, substantif féminin, une institution. Ici, c'est au pluriel, I-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N-S. Ensuite, séparation, substantif féminin, S-E, accent aigu, P-A-R-A-T-I-O-N. Exécutif, qui doit être au masculin, puisqu'il est connecté au mot pouvoir. Le mot pouvoir, c'est masculin. Exécutif doit être au masculin. E-X-E, accent aigu, C-U-T-I-F. Et finalement, judiciaire, adjectif encore, qui doit être ici au
féminin, mais c'est la même forme, hein, féminin ou masculin, judiciaire, vous l'écrivez J-U-D-I-C-I-A-I-R-E. Voilà. N'hésite pas à cliquer sur le bouton like. Allez, on continue avec la politesse et les bonnes manières, puisque nous avons eu un bon exemple tout à l'heure, qu'effectivement, c'est nécessaire de découvrir ces choses-là ensemble. Allez, première chose concernant la politesse et les bonnes manières qui sont d'accord. La politesse et les bonnes manières en France pour les Français, nous sommes d'accord. Hein. Attention, attention. Ne prenez pas la nourriture dans l'assiette de votre voisin, même pour goûter. Ne prenez pas la nourriture dans l'assiette de votre voisin, même pour goûter. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Ellie, quelle est la différence entre exécutif et exécutive ? Pas de problème, Ellie, c'est juste la différence entre le masculin et le féminin, d'accord ? Imaginez un mot comme sportif, vous allez dire « il est sportif », forme masculine, « elle est sportive », forme féminine. Sportif, masculin, sportive, féminin, exécutif, masculin, exécutive, féminin. D'accord ? J'espère que c'est clair. Alors, regardons les choses qu'il ne faut pas faire. Et Julia qui dit « même si c'est un gâteau ». Ah ben, il faut négocier. Il faut négocier après, vous savez. On verra. On verra plus tard. On verra plus tard. Je ne sais pas. On peut en discuter. La première chose, c'est nourriture. Nourriture, substantif féminin. La nourriture. Une nourriture. N-O-U-R-I-E-R-R-I-T-U-R-E. Assiette, substantif, c'est féminin. Pour votre information, une assiette. L'assiette. A-S-S-I-E-T-T-E. Voisin, eh bien là, vous avez la forme masculine ou basique, hein, et donc on l'écrit V-O-I-S-I-N. Et puis goûter, le verbe à l'infinitif, G-O-U, avec l'accent circonflexe, T-E-R. Eh oui, même si c'est un gâteau, normalement, les règles sont strictes, Julia. C'est comme ça que ça se passe. Attention, et ça c'est important, surtout pour les Français, ne prenez pas le fromage à pleine main. Non, ne prenez pas le fromage à pleine main. Écrivez les mots qui manquent. Allez, on est à la recherche de trois choses. La première chose, c'est le verbe « prendre ». Et nous sommes d'accord qu'ici, c'est encore une fois l'impératif. Prenez pour le « vous », P-R-E-N-E-Z. Prenez, d'accord ? Fromage masculin,
Et vous savez que pour les Français, le fromage, c'est sacré. Attention, c'est, on l'écrit F-R-O-M-A-G-E. Et puis, pleine main, c'est comme ça, hein, c'est quand vous prenez le fromage comme ça, et on ne doit pas. Féminin, puisque main, c'est féminin, une main, pleine main, P-L-E-I-N-E, à pleine main. Ne prenez pas le fromage à pleine main. Non, non, non. Il y a un couteau. Le couteau à fromage, ça existe. Numéro 3. Attention, ça continue. Ne mangez pas avec vos mains. Ne mangez pas avec vos mains. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Victoria Jacques, elle est là. Ça veut dire qu'elle a fait un gros dodo. Elle a bien dormi, Victoria Jacques. C'est très bien. Il faut dormir. Allez, si on est toujours dans l'impératif, hein, puisqu'on donne des conseils. Et donc ici, l'impératif, c'est encore une fois pour la deuxième personne du pluriel, manger, M-A-N-G-E-Z. Hein, Imané, non, pour nous, c'est le contraire. Oui. Ah, mais, et voilà. Et donc tout ça n'est pas universel. On doit tous se respecter et c'est bien, nous sommes tous différents. Voilà. Attention, avec, ça on l'écrit bien, A-V-E-C. Et puis finalement, main. Main, souvenez-vous que c'est un mot qui est féminin. Une main, la main. Ici c'est au pluriel et c'est M-A-I-N. S. Alors, Cassandra, comment mangeons-nous des ailes de poulet? Eh bien, vous essayez délicatement avec votre fourchette et votre couteau. Et c'est presque impossible, mais si vous êtes invité chez des gens, c'est très délicat de commencer à hop, de prendre avec les mains, ça dépend des personnes. Tout ça, c'est négociable. Ce sont des bases. Allez, la quatrième chose, et on parle encore de la nourriture parce que c'est très important. Attention. Si vous mangez, ne commencez pas à ronger les os, pardon. Le pas ne doit pas être là. Donc je répète, si vous mangez, ne commencez pas à ronger les os. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Juan qui dit « Mais en Afrique, il y a des lieux où les gens mangent avec les mains. Je ne sais pas s'ils mangent comme ça en France. » Oui, oui, non, mais bien sûr. Et il y a des cultures qui mangent avec les mains. Et ça n'est pas un problème. On est d'accord. On est d'accord que tout ça, c'est relatif. Tout ça, c'est, comme je l'ai expliqué avant, très culturel. Donc, en général, on considère que si vous mangez certaines choses, eh bien, normalement, ça n'est pas avec les mains. C'est comme ça que, en général, les Français procèdent. Alors, ici, nous étions à la recherche de, eh bien, quatre choses. Alors, la première chose, si... Là, on est d'accord, c'est relativement facile. S-I, pas de problème. Ensuite, commencez.
Encore une fois, c'est de l'impératif et c'est de la deuxième personne du pluriel. C'est O-M-M-E-N-C-E-Z. Ronger qui doit être à l'infinitif. R-O-N-G-E-R. Et puis souvenez-vous, je vous l'avais dit tout à l'heure, le mot os. Hein, c'est le même mot au singulier, un os ou au pluriel, des os. On l'écrit de la même façon, mais on le prononce différemment. Et donc ici, les os, vous entendez os, et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. On pourrait imaginer que c'est les os, le pluriel de l'eau, mais non, c'est os. D'accord ? Un os des os. Voilà. Alors attendez, et Julia, si après tout ça décide de manger, ne mangez pas les os. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut pas manger les os. Hein. Ah non, non, non. Allez, on finit avec cette chose-là. Vous allez me détester, mais ce sont les règles de politesse qu'on enseigne aux enfants français. En tout cas, avant, à mon époque. Évitez de faire du bruit quand vous buvez avec une paille. Évitez de faire du bruit quand vous buvez avec une paille. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, John Wick, I'm starting to learn French without knowing the order of the sentence in French. Okay, John, join us next Monday, d'accord? Because this lesson is for advanced. If you come on next Monday or then after that on Thursday, yeah, it will be in English and in French. So it might be, and usually the level is a bit easier, so I will adapt, and I'm usually adapting the exercises. D'accord? So you can come on Monday exactly at the same time, and I will put all the streams on the page, so you can have a look there. Allez, si on était à la recherche de quatre choses. Éviter, c'est un verbe qu'on a beaucoup utilisé pendant cet exercice. C'est bien sûr ici à l'impératif parce qu'on donne des conseils. Donc, EZ à la fin, E accent aigu, V-I-T-E-Z. Éviter. Ensuite, bruit, substantif masculin, un bruit, le bruit, B-R-U-I-T. Et puis finalement, le verbe boire. Non, c'est pas finalement. Le verbe boire, verbe du troisième groupe. Je bois, tu bois, il, elle boit. Nous buvons, vous buvez, ils, elles boivent. Ici, eh bien, c'est la deuxième personne du pluriel. Buvez, B-U-V-E-Z. Et la dernière chose, c'est une paille. Une paille, donc qui est féminin, comme vous voyez. P-A-I-L-L-E. Souvenez-vous, le I-L-L-E, I-E-E-E, paille. Paille, d'accord. Alors attention, Imane, quand je serai invité chez des Français, je vais avoir faim. Est-ce que vous n'allez pas manger? Mais il faut manger! Alors, Sophia X, est-ce que c'est vrai que les Français mangent le sandwich avec un couteau et une fourchette? Non. Alors ça dépend du... Non, Sophia X, ça dépend du contexte. Ça dépend du type de sandwich. Ça dépend du contexte et du type de sandwich. Normalement, imaginez, vous êtes à Paris, vous voulez déjeuner, vous prenez un sandwich, vous allez à la... Vous allez à la boulangerie, vous achetez le sandwich, vous allez dans un parc, hop, vous mangez le sandwich. Non, on n'utilise pas le couteau et la fourchette. Mais si vous allez dans un café et que vous demandez
par exemple, un croque-monsieur, comme on avait vu, croque-monsieur, croque-madame, etc. Donc, vraiment, c'est pas un sandwich, c'est un toast. Hein. C'est le toast, une sorte de toast comme ça. En général, on donne les fourchettes, oui. Donc, pour le sandwich traditionnel baguette, non. Pour les toasts, etc., oui. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Sophia X, mais voilà ma réponse. Alors, Yolanda, on continue. Pour les crêpes, on utilise une fourchette et un couteau. Yolanda, la question c'est, qu'est-ce qu'une crêpe ? Je pose la question parce que traditionnellement, si nous pensons que la crêpe ou la galette, ce sont les choses sucrées et salées, oui, on donne des couverts pour manger ça, oui. N'oublie pas de cliquer sur le like si vous ne l'avez pas encore fait. Allez, trouvez un mot s'il vous plaît. Trouvez-moi un mot qui commence par re. Allez-y. Alors, je regarde Leslie qui commence et Leslie nous dit « regarde », effectivement, le verbe « regarder ». Julia qui nous propose le repassage, mais Julia uniquement en pleine rue. Pas à la maison, il faut repasser, mais dans la rue. Sophia X, la renaissance. Stella, récupérer, très bien. Vouslat, récupérer aussi. Mohamed, revoir. Mag, refaire, très bien. Juan, la renaissance aussi. Omar, retrouver. Yesero qui nous dit réaliser. Yossi, une réhabilitation. Luciana, révoltante, oui, donc qui est le féminin, le masculin ou la forme basique, révoltant. Hillary qui nous dit raisonnable, oups, attention Hillary parce que raisonnable, ça dépend, oui, de raisonner, ok, d'accord, je pensais que vous pensiez à l'autre. Sin, remords. Ange Gabriel, récompense. Mohamed, respecter. Stardust, règlement. Mélissa Madrid, une remise. Ellie qui nous dit regarder. Zilanzen qui nous dit rembourser. John Wick qui nous dit révolution. Effectivement, donc une révolution. La révolution, donc c'est féminin. Mohamed qui nous dit aussi une révolution. Olga qui nous dit une rechute. Cassandra, réussir. Attention, il n'y a pas de A. Après le E accent aigu. Yolanda, reconnaissance. Samantha qui nous dit recevoir. Cheryline qui nous dit une recombinaison. Et Victoria Possé qui nous dit récemment. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas cliqué ? Je ne sais pas. Je l'espère secrètement. Allez, s'il vous plaît, à vous la parole. À vous la parole. À qui voudriez-vous écrire une lettre ? Et pour dire quoi ?
quoi ? C'est ma question. À qui voudriez-vous écrire une lettre et pour dire quoi ? Allez-y, une phrase, s'il vous plaît. Alors, c'est Stella qui commence et qui nous dit « Je voudrais écrire une lettre à un étranger pour partager mes problèmes. » Et c'est vrai Stella, que c'est une bonne chose en général de pouvoir s'exprimer comme ça, de verbaliser ses difficultés et ses problèmes. Alors, j'attends les autres. Les autres sont en train d'écrire, j'imagine. Alors, Iman qui nous dit « J'aimerais écrire une lettre à mes parents pour leur dire qu'ils me manquent grave. » Eh ben oui, eh ben c'est possible. C'est possible, hein. C'est la possibilité de le faire maintenant. Yesero, je voudrais écrire une lettre à un citoyen de Corée du Nord pour lui demander comment est la vie là-bas. Mélissa Madrid, j'aimerais écrire une lettre à moi-même pour me tenir au courant de mes progrès. Ben voilà. Finalement, pourquoi écrire aux autres ? On peut s'écrire à soi-même. Ça, c'est effectivement quelque chose de très intelligent. Alors, Stella qui continue. Parce que comme ça, je pourrais dire tout ce qui me concerne sans m'inquiéter. Eh oui, c'est le... Stella... C'est le concept d'aller voir un psychologue ou quelque, ou s'exprimer à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que c'est très bien. Yolanda, à ma grand-mère pour lui dire qu'elle me manque. Ben oui. Luciana, je voudrais écrire une lettre à mon président pour dire que je le soutiens et que je demande pour faire le nécessaire pour le bien de tout le monde ou du peuple, pour la liberté et la justice. Omar, je voudrais écrire une lettre au président de mon pays et je lui dirais « Renoncez, s'il vous plaît, pour la Colombie ». Sin, je voudrais écrire une lettre à moi-même pour me clarifier l'esprit. Stardust, j'aimerais écrire une lettre à toutes les personnes que j'ai blessées pour leur dire que je suis désolé, vous devriez vraiment le faire de temps en temps. Eh oui. Juan, je voudrais lui écrire à ma sœur Jessica pour la saluer et la féliciter pour la journée des travailleurs. Et aussi, je lui souhaiterais un bon avenir peut-être. Sophia X, je voudrais écrire une lettre aux gens qui vont marcher contre les mesures sanitaires ce week-end à Montréal. Il y a des gens qui marchent contre les mesures sanitaires. Ouais, c'est bizarre. Julia, je voudrais écrire une lettre à moi-même quand j'étais une enfant. Comme je suis une adulte maintenant, il y a beaucoup de choses à dire à moi petite. C'est vrai. Ça, c'est un bon concept. Moi aussi, je devrais m'écrire une lettre comme ça quand j'étais petit. Cher Vincent, attention.
à certaines choses. Hilary, je voudrais écrire une lettre à Vincent pour dire merci pour la leçon chaque jour. Oh ben, je vous en prie, Hilary, je vous en prie. C'est mon plaisir. Victoria Possé, j'aimerais écrire une lettre à mon pays pour leur dire de se calmer et d'apprendre la politesse. Non. C'est pas tout... Il ne faut pas toujours suivre les règles. Il y a une règle fondamentale de la politesse, et je voulais le dire tout à la fin, mais c'est une série qui est longue, c'est que la règle, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter toutes les autres règles. C'est la règle fondamentale de la politesse. Yossi, je voudrais écrire une lettre à l'Académie française pour demander quelques explications d'utilisation des mots, mais je ne connais pas leur adresse. Yossi, ils sont sur Internet. Vous pouvez trouver l'adresse. Victoria Jacques, peut-être un correspondant quand j'étais au lycée. Bah oui, parce que nous ne nous écrivions jamais. Eh ben voilà, l'occasion. L'occasion, Victoria Jacques. Alberto, à des présidents des grandes puissances mondiales pour qu'ils cessent avec les guerres. Ça, ce serait pas mal. Olga, je voudrais écrire une lettre à ma fille pour lui dire personnellement des choses et que je l'aime. Eh oui, il faut dire aux gens qu'on les aime. Eh oui. Voilà. Donc il faut dire aux gens qu'on les aime, mais on peut aussi dire aux gens qu'on n'aime pas, qu'on ne les aime pas. Je pense que c'est une liberté aussi. Ensuite, Ice Cubes, je voudrais écrire à des responsables de ce système capitaliste et inhumain de trouver une solution meilleure parce qu'il ne fonctionne pas bien. Cherilyn, je voudrais écrire à mon directeur de thèse qui a déménagé à Londres pour expliquer beaucoup de choses importantes qui n'ont pas été dites. Également à un des doyens de ma faculté pour l'inciter à plaider pour la responsabilisation des doctorants. Cherilyn veut libérer les doctorants. Elle veut qu'ils aient plus de pouvoir et de liberté. Roman, je voudrais écrire une lettre pour mon ami et je voudrais dire que tu me manques. Eh ben oui, ça c'est important. Victoria qui dit, ils étaient en France, j'ai toujours le papier, j'écrirai un jour. Ben oui, 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 Victoria, il faut écrire. Il faut écrire à votre correspondant, ça peut être sympathique. Si vous allez à Paris ou en France, hop, vous le rencontrez, vous prenez un café, vous prenez un verre. C'est toujours très amusant. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. C'était très très gentil, c'était très sympathique, c'était très amusant en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Et puis je vous donne rendez-vous eh bien lundi, hein, comme d'habitude. Lundi, ça ne va pas changer, même heure, même endroit. Passez un très très bon dimanche, relaxez-vous. Et profitez de la vie. Merci, au revoir.
Thank you.